Je suis le brigadier chef Adel. Je travaille au sein du centre d'anticipation et d'innovation du 13e RDP, du 13e régiment d'aviation parachutiste. Et j'ai créé un système qui se nomme Aristote, qui est un système d'intelligence artificielle qui regroupe un certain nombre d'approches du monde de l'intelligence artificielle, d'algorithmes d'intelligence artificielle, pour traiter divers types de données de renseignement. Aristote, dans le cadre de cette expérimentation, est en mesure donc non seulement de classifier de la sémantique, des mots, des textes, d'extraire des mots et des textes, et d'autre part, de classifier ou de reconnaître des objets dans des images ou dans des vidéos. Admettons que vous ayez un disque dur. Dans votre disque dur, un grand nombre de documents, documents texte, hein, des documents PDF, des documents Word, des choses que vous avez éditées ou récupérées sur Internet. Aristote va pouvoir vous organiser votre disque dur et créer des groupes, ce qu'on appelle des clusters, des groupes d'informations, de groupes de documents qui traitent du même sujet. On a aussi cet avantage-là avec ce type de système, c'est que une fois qu'il a été entraîné et une fois qu'on a validé c'est les résultats de cet entraînement, il est en mesure de travailler en permanence. L'Agence Innovation de Défense, c'est elle qui valide et qui finance et qui décide finalement d'aller un peu plus loin sur les projets que l'on mène. On a des partenaires industriels qui sont présents pour développer le projet, notamment faire l'intégration des différentes briques, des différentes fonctions et des différents modèles qu'on a sélectionnés. Et on a aussi des partenaires issus du monde de la recherche, et notamment l'Institut Saint-Louis, avec lesquels on a des échanges depuis déjà de très nombreuses années sur d'autres sujets.